limite, c'est si tu flips, sans limite, c'est si des mecs stop tonight, c'est détourne quelques sommes vers ses excédentaires, mais les malgré lui dans quelques transactions douteuses, vers sa femme et sa maison, son chien et sa tondeuse. C'est un fiasco, c'est un fiasco. Oh, dans saut aux yeux, mes lumières restent fermées, aveugle mon plein gré. Et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord, jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente. Et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord, jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Les gars de Kodiak, on en fait du chemin depuis le temps. Après La Mécanique paru en 2008, la formation nous présente son troisième album intitulé Les Chines en 4, disponible depuis avril. Ils étaient en prestation au Lion d'Or le 24 octobre dernier et le Lounge Urbain s'est entretenu avec eux. Même si la liste est plutôt longue, je cherche un être cher qui saurait me sortir de l'ombre. Hey, salut, François Grégoire au bois. Max Odehan, Nectar. Joe Bass, qui est à la partie avec François qui a tout débuté, il a pondu un œuf, il a pondu Kodiak, puis nous on l'a couvert, on a couvert l'œuf. Wow. Ça a donné ce que c'est vraiment. Hey, yeah, c'est palpitant. Ah, t'attendais pas à ça, hein? Non, vraiment non, pas. Mais là, vous venez d'où, là? Comment? On est un petit peu répartis, mais en fond, Ben, Joe vient de Québec, Max, c'est un originaire de Montréal. Moi, je suis originaire de Starry-Sud, Saint-Jean. Et puis Max aussi qui est pas là, qui est toujours aux toilettes. Je suis de la Rive-Sud. Okay. Puis en fait, ça a parti avec Joe et moi. On s'est rencontrés au festival de la chanson de Grammy en 2002. On s'est rencontrés, on avait deux bands séparés. Moi c'était quand même Kodiak, mais c'était toute une autre formule. Puis on a décidé de partir le mouvement avec les instruments live. C'était plus à l'époque, c'était DJ. Une bonne soirée avec la bière, ça a fait un jam. Ça a donné... Que ça a cliqué. Ça a cliqué. Ouais, ben ouais. Il est fin ce gars-là. Ouais. Il paraît pas le même, là, mais... Mais là, ça fait combien de temps, là? Ça fait à peu près 10 ans, là. 10 ans. C'est la deuxième année que... ça, la formation a changé. On a passé de 11 à 8 à 5 à 4. Là, la formation, c'est notre formation de stable qui est là présentement, là, à 4 musiciens. Depuis combien de temps? À 4? Ça fait depuis la mécanique, depuis le deuxième album, juste après la mécanique. Et puis, qu'est-ce qui vous attend, en fait, pour le reste de l'année? Je sais qu'il reste 2 mois, mais quand même, vous avez quand même des projets. Il y a Noël qui s'en vient. Oui. Ben, il y a l'Halloween. Il y a l'Halloween en premier. Le 31, bon, c'est pas bon pour le sucre. OK. En blague à part, on fait connaître notre album, en fond, nouvel album, Des Chines en 4. Puis on prévoit déjà entamer du travail pour du nouveau matériel pour l'année qui s'en vient. OK. Ouais. D'autres shows à venir? 2013 sera une grosse année pour Kodiak. On va se promener, puis en même temps, on va créer notre quatrième album. Prochain donc, spectacle le 23 novembre à Saint-Jérôme. Oui. Ouais. Puis, si je ne me trompe pas, le 27 au Quai des Brumes à Montréal. Au Quai des Brumes à Montréal. Mm. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de l'année 2012, puis 2013 est à venir, puis nous serons présents. Il y a un petit peu de tout dans tous les styles confondus. La musique. Ouais, la musique générale. On n'aime pas, on n'aime pas créer de barrières. C'est un petit peu ça le problème quand tu crées des barrières, tu t'arrêtes à quelque chose, tu t'arrêtes dans la créativité. Fait que, je pense que l'histoire de Kodiak a fait qu'on a aimé ça aller partout un petit peu. On s'est quand même donné des certains barèmes, mais on veut explorer. Mm. Puis ça donne ce qu'est le Kodiak. Le Kodiak ne ressemble à rien vraiment. Toujours un mélange d'influence soul, un petit peu de funk, un petit peu de reggae, un petit peu de rock, de folk. Fait que vraiment, on touche un petit peu à tout. Et là, présentement, à 4 musiciens, donc c'est sûr qu'il y a une petite couleur un petit peu plus rock, reggae qui ressort. Mm. Ouais. Ce que ça nous tente de faire, en fait. Mm. Ouais. En fait, la musique, c'est de la musique. C'est comme... T'aimes pas? Mais moi, j'aime de la bonne musique. C'est tout ce que j'ai. Sur ce, on va attaquer pour aller monter la musique. Ouais, hein? On va vous suivre. Merci beaucoup. Merci. Ciao.
N'hésitez pas à suivre Kodiak via leur site web, page MySpace, Facebook et Twitter pour avoir plus d'informations sur leurs activités ainsi que leurs dates de spectacle. Les liens seront disponibles dans la description. Bonne soirée, nous sommes très bien.